Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je suis pareillement habillée parce que je viens de tourner. Enfin, je viens, ça fait à peu près, je sais pas, quelques heures. Enfin, ça fait 2 heures et demie le temps que je monte ma vidéo et tout ça. J'ai pas fini, mais bon. Je vous ai tourné précédemment une vidéo. Donc, je les ai encore là. Hein. Petite boule comme ça. J'étais très heureuse de faire cette vidéo. Ok, donc aujourd'hui on va faire avec des rouleaux de papier toilette. On va faire avec des rouleaux de papier toilette. Rassurez-vous, il en faut que un. Moi j'en ai plus deux. Voilà, alors donc du coup on va faire une. On va réaliser une poule, donc le truc. Voilà. Et là, il y aura la tête et je vous en dis pas plus, je vous montre tout de suite la photo. Voilà la poule avec son petit nid. Donc j'ai pris la GoPro, désolé si je tremble. Hein. Voilà. Donc sauf qu'il y aura juste pas, là la paille parce que j'en ai pas, j'ai plus de papier de toilette. Donc voilà, alors pour ce tuto, il vous faudra un rouleau. Donc je répète. Pour ce tuto, il vous faudra un rouleau de papier toilette, sauf qu'il y a. Donc, un petit truc de papier toilette, comme ça je sais plus comment on l'appelle. Voilà. Donc on s'en fiche plutôt de cette taille préférée. Une feuille cartonnée jaune. Moi je n'avais plus de cartonnée donc je l'ai pris comme ça en CV. C'est aussi bien. De la colle liquide. Je pense que ce serait mieux, ça marcherait un peu mieux avec la colle liquide. Des feutres. Et bah, c'est tout. Alors donc pour ce tuto, on commence ici. Alors on commence tout de suite. Donc on commence tout de suite avec. On va prendre le machin là. Et on va le peindre en jaune. Alors je n'avais pas de peinture sur moi. Donc du coup je prends en feutre jaune. Hein. Voilà. Donc je vais commencer à le dessiner. Je vais passer à Zé. Ouais, bref. Je vais commencer à colorier dessus. Et nous on se retrouve. Dès que j'ai fini, hein, parce que là j'en suis cala. Hein. On se retrouve dès que j'ai fini. Je suis cala et ça me fatigue déjà. C'est super chiant. Ah. Ah, je préfère colorer comme ça. Donc je vous conseille un plus la peinture parce que regardez ce que ça donne. C'est vraiment horrible. Bon, ça va, c'est comme ça, mais vraiment c'est horrible. Je vais continuer de colorer. N'hésitez pas à faire deux couches. Hein, donc c'est ce que je vais faire moi parce que ce sera encore plus compliqué. Et n'appuyez surtout pas sur le titre. Enfin pas trop peu en tout cas. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible de ne pas appuyer sur un titre pour dessiner. Ouais, je sais. C'est bizarre. Donc pour l'instant que j'ai les signes, j'en profite pour faire quelques dédicaces. Donc je fais une dédicace à Isalie, non. À Justin, je t'aime fort. À Coralie, je t'aime fort. Et à Zinev, si. Voilà. J'ai fait mes dédicaces. Donc, oui, ouais. Bon, aussi, à demain, Isaline, hein, parce que tu reviens. Ça va être trop cool, je suis trop contente. Je vais bientôt finir. Donc, il y a un côté qui est fait. Et un autre qui est pas fait. Donc, maintenant, on se retrouve vraiment. Dès qu'il finit. Donc voilà, j'ai fini. Hein. Voilà. C'est pas du tout beau avec les feutres. C'est nul. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Oh, j'ai mal. Donc,
Alors donc maintenant que c'est colorié, on va vous allez faire un petit pli là où vous voulez pas vous voulez pas que ça se voit, par exemple vous avez raté ou un truc comme ça. Et on va découper tout simplement. Voilà, donc à peu près comme ça. Alors attendez avant de commencer parce que je vais vous mesurer comme ça vous êtes sûr de pas vous tromper. Je vais mesurer combien j'ai coupé. Tac. 1,4. Voilà. Donc j'ai coupé 1,4 en centimètres. Non. Voilà, donc ensuite on va faire des patrons et tout ça. On se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, donc pendant ce temps, je suis allée manger. J'ai fait plein de choses. Voilà. Ok, là pendant ce temps, le feutre a bien séché. Hein. Faudrait mieux le laisser sécher. Et du coup, regardez, ça fait plus de traces. C'est tout joli. Ah ouais, oh, c'est joli. Voilà, donc maintenant on va faire le patron. Donc pour faire le patron, je vais faire la GoPro. On se retrouve tout de suite. Alors, donc ça bouge un peu. Ouais. J'espère que vous voyez bien. Je vais juste un petit peu reculer la GoPro. Tac. Ah. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je suis désolée si vous ne voyez rien. C'est vraiment super compliqué. Ok, alors donc. On va faire les patrons. Alors pour les patrons, donc il me faudra un crayon de papier et bien sûr le plus important, une règle. Moi j'ai pris ça. En critérium c'est un peu plus détaillé, donc moi je préfère critérium. Alors donc en fonction de votre petit truc, vous allez faire les ailes. Voilà. Donc pour les ailes. Vous allez faire ça comme ça, comme ça. Faut regarder aussi si c'est pas trop. Et comme ça. Est-ce que c'est pas trop volumineux? Je sais pas, c'est pas très beau. C'est comme un cœur alors à l'envers. Ouais, vous avez raison. Enfin, je me suis donné une idée. Tac, je vais faire un cœur. Juste avec le bout. Ouais. Bon, je vais faire comme ça. Voilà, alors je vais faire ceci. Donc, on va le découper. Désolée si je cache un peu la GoPro, c'est juste que je suis en train de découper et j'ai pas envie de stopper. Comme ça, vous voyez un peu comment je découpe. Donc pour ceux qui me demanderont ou pas, je suis gauchère. Voilà. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Voilà. Donc je vais faire ce premier patron. Ben, je vais en faire un patron.
Oui, c'est vrai, c'est très expliqué. Alors, excusez-moi, je fais juste. Voilà. Donc, je vais refaire donc le même. Je vais faire un contour. Hein. Je pense que vous savez faire les contours, donc j'ai pas besoin d'expliquer. Voilà, pour que ce soit à peu près le même, parce que sinon c'est pas très joli. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà, à peu près. Voilà. Alors maintenant, je vais le découper, ben, comme avant. Donc le bout, on s'en fiche s'il est pointu, on s'en fiche. Parce que de toute façon, on va coller le bout, alors ça, on s'en fiche. Voilà, pour le deuxième. Le premier, je crois qu'il est tombé par terre, oui. Je vais juste le ramasser, je suis désolée. Oula. Ok, donc voilà pour le premier et voilà pour le deuxième. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels vous préférez, hein. Ça peut toujours aider. Alors, attendez un instant. Ouais. Ok, donc. Je vais remettre, non pas en GoPro, mais en normal. On se dit à tout de suite. Voilà, j'ai remis en normal. Alors, maintenant, donc, vous avez ça en sec et vos deux petites ailes. Voilà, vous allez pouvoir les coller, donc voilà, comme ceci, de côté. Donc un peu plus devant. Hein. Alors, moi je mets un point de colle sur la base du cœur, donc là où il y a les petits traits, hein, vaut mieux. Et je l'étale. Tac, et je le mets près vers là. Hein. Pas trop non plus que ça dépasse, parce que voilà, ça comme ça, ça va. Voilà. Comment tu vis les messages? Et voilà pour le deuxième. Tac, bon, faut bien calculer. Enfin, je sais pas, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Oula, là il y a un peu de vent. C'est pas grave, c'est pas à ça près. Hein, s'en fiche, ça va être. De toute façon, ça va être posé que d'un côté. Alors. Voilà, donc on dirait un peu. Je sais pas quoi. Alors, je vais juste filmer avec ma GoPro. 2 minutes. Voilà, donc j'ai juste filmé avec la GoPro. Parce que je vais juste aller fermer la fenêtre et je viens juste vous emmener avec moi. Comme ça, vous voyez un peu derrière. C'est pas l'impression d'un room tour. Ah, calme-toi. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'on voit par rapport à moi. Voilà, donc ça, c'est mes voisins, tout. Je vais juste fermer. Mais c'est impossible. J'arrive pas à fermer. Voilà. Ah, voilà, ça va bien. Alors, donc pour l'instant, si certains vont me demander, je n'ai pas l'intention de faire un room tour. Voilà. Ça, c'était pour l'info. Donc, je vais remettre en caméra normale. Voilà, alors. Je sais pas pourquoi il remonte à chaque fois. C'est chiant. Voilà. Alors,
l'impression qu'on a nos petits trucs là, on dirait des yeux. Alors avec un feutre, donc là c'est un feutre, hein. Je vais venir donc faire des petits traits comme ça partout. Alors moi je vais utiliser de l'orange, du noir et du brun. Et on va venir faire des petits traits comme ça. Donc à peu près comme ça. Voilà, comme des poils. De toutes les couleurs, ça va faire un... Comme vous avez pu le voir sur la photo, si vous en souvenez plus, n'hésitez pas à revenir en avant. De toute façon, en fin de vidéo, je vais vous montrer la poule pour comparer un peu. Bon, je sais que c'est mieux fait là-bas, mais bon, quand même. Capuchon, il est... Voilà. Alors maintenant, donc, je vais continuer avec des oranges. Voilà. Ça donne ça en gros. Comme ça. Voilà. J'ai fait des deux côtés. Et maintenant, du noir. Voilà, comme ça. Pour le noir, j'en ai pas mis beaucoup. Il n'y avait plus trop de pièces. Et ouais. Voilà. Ensuite, donc, il vous reste la feuille. Maintenant, oui. Donc, maintenant, on va faire la tête. Donc, pour la tête, vous allez tracer en trait droit. Alors. Donc moi j'ai pris de 5,5 à 9,1. J'ai pris la règle normale. Voilà, comme ça. Hein. C'est pas très grave. Pour la tête comme ça, j'ai pris de 5 à 1. De 5 à 1. Ici on fait une encoche, là, une espèce d'encoche. Comment fait on refait, voilà, on baisse, descend un tout petit peu et on fait le truc du bec là, voilà. Donc j'espère que vous voyez un peu, voilà, ça fait un gros comme ça. Bon, c'est à l'envers, hein. Et voilà, donc ici je vais à peu près mettre l'œil. Et là, il y aura... Tac. Et pareil, là aussi, je vais mettre bah, les mêmes couleurs que tout à l'heure. Du noir. De l'orange. Et enfin, pour finir... du brun. Voilà. Bien sûr, la crête, là, l'espèce de crête, ben, je vais la colorier en rouge et le bec en orange. Ça va, ça c'est... ça va. Et n'hésitez pas, surtout pas à dépasser du machin, parce que voilà, comme ça ça sera un peu plus détaillé. Et enfin, ça me parle le bec en orange, voilà. Et l'œil, ben je fais juste un gros point noir, voilà. Ah non, ça va pas le faire en fait, je fais un œil. Ouais. Comment je pourrais faire? Parce qu'il me faudrait du Tipex, mais liquide. Moi j'ai que du Tipex normal.
Je vais voir dans la trousse qu'est-ce que je pourrais faire. Ah, peut-être un effaceur. Mais ça, je sais que ça efface pas. Hein. Pour faire un petit point blanc, mais si vous essayez, non, ça marche pas. Ah, rouge. Bon, il y aura la rage, mais bon. Ah. Ah, je sais. Je sais, je sais. Je vais lui faire des petits si. Cette boule. Ah, mais oui. Là, je vais faire des traits noirs au lieu des points noirs. C'est bon. Maintenant, je vais le découper. Là, on est déjà à 20 minutes 45. C'est beaucoup. Et donc, je pense que... Je sais pas si je vais faire cette vidéo sur deux parties. Je voudrais mieux. Je sais pas. On va voir. Dès que j'ai fini cette vidéo. Coupage, on va voir ce qu'on va faire. Je sais pas si vous m'avez entendu, mais... voilà. 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 Ensuite, je vais faire comme ça. Tac. Et voilà. Ah, et voilà. Voilà. Donc voilà la petite tête. Enfin, la grosse tête. Donc voilà la tête de ma poule. Maintenant, on va faire la queue. Ah oui, il faut bien faire la queue. Hein. Comment elle va faire les crocs? Voilà. On va faire ici, hein, en dessous. Alors... la queue. Donc, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'ailleurs, j'espère que la vidéo des playlists du moment là vous aura plu. Je savais pas trop. J'ai mis, quand j'ai monté ma vidéo, je me suis dit, je vais mettre. Une boule, vous savez, pour comme les boîtes de nuit avec un... bah bref, des reflets. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais mettre ça avec, voilà. Du coup, je l'ai mis. Elle manquait quoi? Orange, oui. Et orange, voilà. Maintenant, je vais découper cette queue. Et je vais aussi tourner juste après, vu que j'ai pas très envie de monter cette vidéo. Je pense que là, mais quelle heure? 19h53, donc à l'heure où je tourne, il est 19h53 et on est le 10 avril, hein, 2017, bien sûr. Donc on est le 10 avril et je pense que là, je pense que le temps que je monte et j'ai envie de retourner, de refaire une vidéo tout à l'heure. Donc bon, je vous donne une petite indication, hein. Les titres, donc ce sera... ah. Le titre ce sera All Lollies. Donc si je n'ai jamais vu
je n'ai jamais vu cette vidéo sur YouTube. J'ai recherché avant de filmer cette vidéo et non, apparemment elle n'existe pas. Donc ça me plaît. Oui, donc j'ai acheté Aloïse avec Isaline. Je suis allée acheter des bonbons car demain nous allons faire une dégustation américaine. Je n'en dis pas plus parce que ça reste secret. Donc bref. Ah, ça je remets là-dedans, c'est pas mal. Ok, alors donc. Oui, donc maintenant, vu que je laisse un peu sécher, voilà. On va reprendre notre colle. Alors, voilà pour la queue. Pardon. C'est pas grave, je fais pas de l'autre côté. Ça va faire comme ça. Donc, alors, pour faire ça, vous allez un peu plier comme ça. Comme ça, ça c'est sûr que ça colle bien. Et du genre, ça va faire comme ça. Voilà. Et pareil pour la tête, vous faites comme ça. Voilà. Bon, un tout petit peu. Hein. Juste là, du moment que la colle passe, c'est bon. Et on va enlever donc le surplus. Voilà. Comme ça, on voit plus rien. L'air de rien. Voilà. Tac. Ok, alors. Voilà. Alors. Je voulais juste 2 secondes. Voilà, alors j'espère que vous voyez mieux. J'ai allumé les grosses lampes, vous savez. Ça va faire un reflet sur la vidéo si je le filme, mais je vais essayer de le filmer quand même. Attendez, pour vous montrer, hein, parce que je ne mens pas. Voilà. Alors, attendez. Voilà l'idée, à peu près. Donc, le gros panneau. Voilà. Je vous ai fait un peu un arrière-plan. Alors, voilà. Maintenant, je vais ajouter un peu de colle, là. Je vais coller comme ceci. Pareil pour la queue. On pourrait même mettre des plumes ici. Voilà, donc en gros, ça donne ça. En fait, non, ouais, donc c'est terminé. J'ai pas eu besoin de la faire en 2 fois. Donc là, la vidéo, elle est à 28 minutes et 33 secondes. Voilà. Donc, pour vous donner un peu l'impression. Hein. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut faire en recyclant un rouleau de papier toilette. Ouais, je vous ai fait un petit aperçu de ma petite boule, hein, si je peux dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, s'il vous plaît, j'aimerais 10 abonnés. Donc, bien sûr, les 10 abonnés. 10 abonnés, il y a le concours avec la palette de maquillage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu et surtout, abonnez-vous.